Monsieur Kane arrive. Très bien. Qu'est-ce qu'il y a? Monsieur Kane va arriver. Les torpedos ne sont pas encore payés. On en a envoyé combien aux Péruviens? 5-6, je crois. Au fait, qu'est-ce qu'il y a de vrai dans cette histoire avec le ministère de la Défense? Que le général sait que pour vendre des armes, il doit intégrer alors, notre organisation. Alors, tu es toujours en vie? C'est une donnasse. Ce n'est pas vraiment le moment de dormir. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Mais on se gèle ici, il faut baisser la climatisation. La sécurité vient d'appeler pour dire que M. Kane va arriver. Et dis aux gardes à l'entrée de ne laisser entrer personne quand Kane sera là. Hein. Je compte sur toi, Clara. Si Kane dit que nous avons vendu des armes aux sandinistes, nous nierons tout. Réveille-toi. Kane est dans les escaliers. Michael, ça va pas? La montée du Parti communiste nous pose de nouveaux problèmes, car vu qu'il est l'interprète des changements qui se sont produits au sein de la société italienne, il pourrait décider de se revêtir d'un masque de respectabilité, je crois. C'est peut-être déjà fait, vu son succès électoral. L'Italie serait le premier pays à se tourner vers l'Est. Le journal Corriere della Sera est indispensable. Qu'est-ce qu'ils font? Ils se disputent avec papa? Ce sont leurs affaires. D'abord, éliminons les sources de la propagande communiste. Ah, oh, fais un sourire, petit frère. S'il vous plaît, évitons les querelles de famille. Et quelle famille? Aucune famille n'abandonnerait ainsi l'un de ses membres. J'ai seulement besoin d'une certaine somme. Oh, mais dis-moi, cette fois, ce ne serait qu'un prêt dans le vide. Tu penses que tu réussirais à sauver... C'est toi qui parles comme ça? Toi qui as eu le culot de déclarer à la presse que tu me connaissais à peine? Et qu'est-ce que j'aurais dû faire? Me mettre à parler peut-être de toutes tes conneries? Le Vatican a perdu une montagne d'argent. Vous n'avez rien perdu, même pas l'ombre d'un centime. Même l'immobilier a été pressé comme un citron. Vous m'avez même présenté de faux bilans financiers. Il vaut mieux en rester là. Quelqu'un veut-il donner quelques millions de dollars à Sindona, par hasard? Maintenant, ça suffit, Sindona. C'est bien. J'ai compris. Alors, revenons-en au plan Renaissance. Où en sommes-nous avec la loge Peter? Un bon point. Le rapport complet vous sera transmis au plus vite. Ah. Sindona, le banquier de la mafia et de la CIA, est arrêté aux États-Unis pour banqueroute. L'archevêque Marcinkus, soupçonné d'être lié à l'affaire Sindona, reste président de la banque du Vatican, le IOR. À cause de la banqueroute de Sindona, Luigi Menini, vice-président de Marcinkus, est placé en détention provisoire. Calvi, président de la banque catholique Ambrosiano, prend la place de Sindona. Comme l'écrit un célèbre journaliste espagnol, Marcinkus et le IOR continuent avec Calvi à tisser la toile du réseau des finances catholiques et anticommunistes mondiales. Monsieur le Président, le Saint-Siège a envoyé la lettre que vous attendiez. Ah oui. Surtout, faites attention au Telex. Et annulez Rizzoli. Et déplacez le rendez-vous avec Tassani. Ne vous inquiétez pas, Monsieur le Président. Bon voyage. Merci, Menini. Président, je me suis permis de bloquer le prêt au Parti communiste. Bien, je sais pas... Excusez-moi, je n'ai pas bien compris. Merci. Thank you.
Il paraît que ça a coûté 250 millions pour qu'elle ne soit pas publiée. Oh, c'est de l'argent gaspillé. Ça ne scandalise plus personne de voir le pape en maillot de bain. Ceci dit, remerciez-les quand même. Afin d'éviter que vous ne soyez la cible d'armes plus dangereuses qu'un téléobjectif. Saint-Père, Marcinkus et Calvi viennent d'arriver. Ils attendent là-bas. Que dois-je faire? Lupus in fabula. C'est justement Marcinkus qui doit s'occuper de ma sécurité. Vous pouvez disposer. Nous en parlerons un autre jour. Voilà, j'ai apporté la cassette. Cher Calvi, vous allez bien? Bien, merci. Et votre allez famille? Bien, merci. Vous voyez, Calvi, Solidarność ne doit pas être considéré seulement un simple syndicat. C'est prêt. Pour des millions de Polonais, c'est un véritable moyen de rébellion. Mes frères sont en train de sortir d'un très long sommeil dans lequel les avait plongé le réalisme de Yalta avec ses accords rigides. Désormais, mes frères ont commencé à lutter pour sortir la Pologne de ses années de somnambulisme. Je voudrais les aider. Il faut les aider à repousser l'offensive séculaire du capitalisme ou du marxisme. Si vous permettez. C'est justement la raison pour laquelle Calvi est ici, pour y contribuer. Les dictatures de droite disparaissent. Les dictatures de gauche demeurent. C'est pour ça qu'il faut les combattre. En réalité, les dictatures de Franco et de Salazar ont mis un peu de temps pour disparaître, 40 ans. Et celle de Pinochet, s'il n'est pas éliminé, n'est pas prête de s'interrompre. Tu ne le sais pas, mais le boss a une notion un peu différente du temps. Il ne faut pas non plus oublier qu'il a grandi dans un pays socialiste. Et là-bas, on le sait, le temps passe très très lentement. Je trouverai un canal à New York et de là-bas, nous leur ferons parvenir un peu d'argent. Et ils devraient combattre les Russes avec de l'argent. Si je dois être sincère, les gars de Solidarność ne me sont pas particulièrement sympathiques. Mais n'oublie jamais le rôle qu'ils ont dans ce grand jeu. Hein? D'accord, d'accord. Eux aussi, nous fournirons les moyens nécessaires. Votre honneur, nous sommes certains que Lichogeli n'est pas dans ses bureaux et n'est pas dans sa villa. Quelqu'un est au courant de votre présence à Arezzo? C'est exclu, nous avons dormi dans une localité secrète. C'est... Alors continuez. Personne ne peut entrer. Elle, laissez-la passer. Le capitaine est au courant? Non, c'est la secrétaire de Gelli. Mais qu'est-ce que vous faites? Mais ce sont des documents diplomatiques! Ce sont des documents secrets! Monsieur Gelli est le conseiller économique de l'ambassade d'Argentine! S'il vous plaît! Vous n'avez pas le droit d'y toucher! C'est Ortolani, c'est inadmissible. Excusez-moi un instant. Personne n'a rien fait pour les arrêter. Oui, j'insiste. Je dois parler immédiatement au général. Le Milan n'était qu'un repère de communistes. Un instant, c'est très urgent. C'est une question de grande importance. Oui, oui, oui. Trouvez-le, vous avez compris? Deux, trois... Ah, enfin, oui, Gelli est là, je vous le passe. Général, écoutez-moi attentivement. Oui. Les documents confisqués confirment qu'il s'agit d'une organisation maçonnique toute dévouée au service secret, la loge P2 dirigée par Lichogeli. À la lecture de ces documents, on constate que sont affiliés à cette loge des ministres, des hauts fonctionnaires des forces armées et des services secrets, des députés, des journalistes, des industriels, des magistrats. 962 noms derrière lesquels se dissimule toute une structure de pouvoir parallèle à celle de l'État et qui ne recule devant aucun crime. En analysant ces documents, le président de la Banque Ambrosiano, Roberto Calvi, apparaît bel et bien comme le bras financier de la loge D'accord. P2. Votre honneur, cette urgence est pour vous. C'est le commandant de la police des finances et il a déjà appelé deux fois. Oui, dites-moi. Votre honneur, attention à ce que vous faites. Vous êtes en train de violer des accords diplomatiques.
Les documents prélevés doivent être restitués à leur propriétaire légitime. Qu'est-ce que vous dites ? Mais comment vous permettez-vous ? Ces documents ne sortiront pas d'ici. Qui a fait ça ? Oh, je le sais très bien. Un des grands vieux. De 1000 ans. On va en avoir des surprises. Oui, oui. Mais en attendant, on regarde un peu, le cyclone P2 secoue le gouvernement. Fumée, fumée, que de la fumée. Calvi et ses associés risquent 6 ans de prison. Ah, l'Italie n'est pas l'Amérique. Chez nous, l'opinion publique ne compte pratiquement pas. Ce qui compte, c'est que les noms qui figurent sur les listes n'arrivent pas aux oreilles de nos ennemis. Parce que tu crois qu'ils ne seront jamais publiés? Ok. Ah, ça, c'est à Sandine. Je dis seulement que la situation est sous contrôle. Le parquet de Rome obligera celui de Milan à me restituer mes petites affaires. Par conséquent, ne t'inquiète pas. Mais comment ça ne t'inquiète pas? Et tous ces fonds qui viennent de Palerme, alors? Venez, venez. Mais s'il n'y a rien à craindre... Mais tu veux la boucler, oui. Mais s'il n'y a rien à craindre, alors pourquoi est-ce que tu te terres dans ce trou? En fait, ce sont tous mes amis qui m'ont conseillé de le faire. Oui, faites oublier pendant un mois ou deux. Le temps d'arranger toute cette histoire. Ah, président, au milieu de toute cette tempête, le Corriere della Sera est à vous. Écoutez, pour parler franchement, hein, dans l'état actuel des choses, les aurais jamais déboursés, les 180 milliards pour le Corriere della Sera. Tu ne vas pas l'abandonner aux autres, non? Tu vois, tu te laisses tout de suite prendre de panique. Tu ne crois pas que derrière ce scandale, il y ait le fait qu'ils veulent s'en réapproprier? Ils pourront s'en réapproprier, mais au moment et au prix que nous aurons établi. Papa, excuse-moi pour le retard, mais il y avait une voiture qui ne m'inspirait pas confiance. J'ai réussi à la semer. Bravo. L'avion est prêt. Attends-moi, je reviens. Le scandale de la loge maçonnique P2 secoue le Parlement et le gouvernement. Le député M. De Martino déclare que si le gouvernement ne publie pas les noms des membres de la loge, ce sera la commission Sindona qu'il préside. Ah, j'ai vu enfin. Forlani est en train de lire en talex de Lucio Gelli. Incroyable. Je suis sûr, cher président, que les noms des membres de la loge P2 ne seront pas publiés, par respect du droit, mais aussi parce que ces listes contiennent les noms de hauts dignitaires italiens et étrangers. Giulio, Gelli nous demande de ne pas publier les listes. Écoute ce qu'il ajoute. L'OTAN elle-même et les services secrets occidentaux considéreraient d'un très mauvais œil toute intervention musclée contre les membres de la loge P2. Mais c'est un véritable chantage. Je trouve ça scandaleux. C'est un défi absolument insupportable pour nous. Enfin. C'est inacceptable. Président, Gelli vous dit ici, fais attention si tu parles. On dira un message par des initiés qui sont suspects. Eh bien, à mon avis, il faut se demander s'il est possible d'un seul coup de balai de sacrifier les autorités militaires et civiles qui sont liées à Licio Gelli et à la loge P2. Eh bien, on pourrait peut-être... voyons un peu. Par exemple, le chef des services secrets, le commandant des services de police, le préfet, le ministre de la Justice aussi. Cela, on pourrait réussir à les amener au Parlement et s'en occuper, oui. Ce serait une décision beaucoup trop risquée. Ce sont des hommes à nous. Je devrais démissionner du gouvernement. Aujourd'hui, au Parlement, moi, je ne prononcerai aucun nom. Clara. Clara, excuse-moi. Excuse-moi, je n'arrive pas à dormir. Je ne peux pas dormir. Quelle honte. Quelle honte, désormais. Pour tout le monde, je suis le bras financier de la P2. Tu comprends? Tu préférerais qu'ils te considèrent comme le cerveau? Mais non, c'est que maintenant, ils voudront tous plus d'argent. Qui ça peut être à cette heure-ci? Président, il y a quelqu'un pour vous qui ne veut pas dire son nom. Fais-moi voir qui c'est. Président, se fier c'est bien, se méfier c'est mieux. J'espère que je ne vous ai pas réveillé. Je vous attendais, montez. Mais qu'est-ce qu'il veut cet homme? Il est envoyé par la démocratie chrétienne. Une grosse pointure. Il travaille pour les services secrets, pour les Américains aussi. Et il parle cette langue. Il fait des affaires dans le monde entier. Et il est franc-maçon. Mais il a l'air si jeune. Fais-lui confiance. C'est l'homme qu'il nous faut. Il s'appelle Francesco Pacienza. Vite, va te mettre quelque chose sur le dos. Mais que font les politiques? Vont-ils réussir ou non à garder secret les noms des membres de la loge? Non. En ce qui concerne les listes, il n'y a plus rien à faire. Elles vont être... Et tous les autres documents? Tout ce que les juges milanais ont confisqué à Gelli sera rendu public. Malheureusement, nous sommes quelquefois en démocratie. Mon amour. C'est la fin, c'est la fin. Pardon. Madame, puis-je me présenter? Je suis un mercenaire vieille façon.
Mais le gouvernement va tomber ou non? Il va tomber, madame. Entre autres parce que les communistes font tout ce qu'ils peuvent pour ça. Mais enfin, pas courage. Ne dramatisons pas. L'Italie, c'est le pays des grandes surprises. On pense que le monde va s'écrouler et puis... Ce ne serait pas la première fois que la montagne accouche une petite souris, non? Venez dans mon bureau, nous serons beaucoup plus tranquilles. Excusez-moi. Tiens, voilà le passeport. Mais ça ne me ressemble pas du tout. Il a la même couleur de cheveux que toi, ça ira très bien. Moi, je ne veux pas m'enfuir. Tu as des nouvelles de M. Kane? Oui, il a disparu. Disparu. Ici, ça sent le brûler, Roberto. Il pourrait venir et t'arrêter d'un moment à l'autre. Et Gelli, qu'est-ce qu'il en dit? Qu'est-ce qu'il dit? Gelli a disparu, c'est clair, tu ne crois pas, non? Et moi, je me prépare à l'imiter. Mais moi, je ne suis pas coupable, je ne peux pas tout laisser tomber. Oui, mais en attendant, donne-moi un coup de main, ne reste pas planté comme ça. Le problème, ce n'est pas d'être coupable ou innocent, mais toi, ça dans le crâne, nous n'avons pas le temps, nous sommes en train de perdre. Si on reste, on est tous foutus. Hein? Mais si je m'enfuis, ils me piqueront la banque. Et sans la banque Ambrosiano, je ne suis rien, je suis zéro. Je me suis fait mal. On a du désinfectant? C'est rien du tout, allez, mets-y de la salive. Écoute ce que je te dis, prends-le. Hmm? Tu as une des moustaches? Rien ne laissait présager un geste aussi fou et sacrilège. Aujourd'hui même, sur la place Saint-Pierre à Rome, alors que le Saint-Père rencontrait les fidèles et bénissait la foule, un jeune homme a tiré sur le pape à deux reprises. Le pape a été blessé à l'aine et à la main gauche et s'est écroulé dans les bras de ceux qui l'escortaient. Les coups qui ont été tirés ont également atteint deux touristes américains. L'auteur de cet attentat, un certain Liagja, a été immédiatement arrêté par les services d'ordre. Au milieu d'une foule de fidèles désemparés et désespérés, le Saint-Père a été emmené de toute urgence à l'hôpital Gemelli. Voilà, papa. Son état de santé est jugé stationnaire. On a tiré sur le pape. Oui, je sais. Désormais, tout peut arriver. C'est peut-être une histoire comme celle du pape Luciani, une affaire de famille. Comment ça s'est passé? Le chat m'a donné ça. Il me conseille de disparaître de la circulation. Mais si tu te présentes avec ça à l'aéroport, ils vont t'arrêter tout de suite. Mais écoute, pourquoi ne parles-tu pas avec tes amis de l'Opus Dei? Avec le pape, tout compte fait, ils ne font qu'un. N'arrête pas d'y penser. Mais Casaroli... Et le bossu, hein? Excuse-moi, celui qui commande à la fin, c'est le pape, non? Ouais, je sais. Mais c'était pas aussi simple. Vas-y. C'était à la porte. Mais alors c'est vrai? Ils veulent mettre la main sur le Corriere della Sera. On m'a donné l'ordre de ne pas vous laisser tout seul. Capitaine, je vous en prie, laissez-la s'habiller. Vous ne pouvez pas l'arrêter. Il Madame, est innocent. Calmez-vous. Ou alors arrêtez-moi aussi. J'ai des ordres précis. Je dois vous emmener tout de suite à San Vittore. Quoi? Non! 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 Roberto! Roberto! Vous ne sortirez pas vivant de San Vittore. Je ne mettrai pas les pieds à San Vittore. Je ne bougerai pas d'ici. Vous devrez me porter sur vos épaules. Si vous l'arrêtez, vous devrez m'arrêter moi aussi. Moi aussi. Très bien. Où est le téléphone? Là-bas. Vous avez eu de la chance, vous savez. La chance? C'est le con. Oui, vous partagez votre cellule avec deux terroristes de Brigade Rouge et un voleur. Et vous auriez pu tomber sur des criminels de la mafia, et alors? Bonjour. Voici
lecture de notre journal. À une semaine de l'attentat sur la place Saint-Pierre, les conditions du pape Jean-Paul II se sont légèrement améliorées. Ah, bien sûr, c'est pas le grand hôtel, cher monsieur. Demain, nous serons en mesure. Mais vous verrez, vous y habituerez. Dans sa chambre d'hôpital. Le conseiller chrétien démocrate, Chiro Chirilo, a été enlevé à Naples par des malfaiteurs qui ont également tué ses deux gardes du corps. Les brigades rouges ont reçu l'enlèvement, mais les enquêteurs sont aussi sur la piste des criminels de la Camorra. La voiture du conseiller napolitain a été attaquée par quatre hommes armés qui ont agi avec une grande rapidité et une précision extrême. Arrestation à Milan de M. Roberto Calvi, président de la banque Ambrosiano. Avec lui, huit autres personnalités sont accusées d'exportation illicite de capitaux. Roberto Calvi a été arrêté par la police des finances sur ordre du procureur substitut de la République, M. Ambrosio. Tu es le symbole parfait du capitalisme, putréfaction. Le plus sensationnel de notre histoire, M. Calvi a été arrêté avec huit autres personnalités influentes du milieu des finances vaticanes, dont M. Minciaroni. Dites-moi, que pensez-vous en tant que représentant du milieu financier laïque de l'arrestation de M. Calvi? Je n'ai pas donné mon opinion sur la question. Il y a des juges qui s'occupent de ça. C'est à eux qu'il revient de nous expliquer toute cette affaire. Tout. L'aumônier est là pour vous. Calvi, rendez-vous à 5 heures. D'accord? D'accord. Je reconnais avoir eu une certaine familiarité avec Licio Gelli, mais ces documents, je ne les ai jamais vus. Et ça, c'est la photocopie du rapport de l'inspection effectué à l'Ambrosiano, sur ordre de la Banque d'Italie. Comment est-il possible que M. Gelli ait pris possession de ces documents? Je ne sais pas, je l'ignore complètement. Calvi, s'il vous plaît, ça fait 6 heures que nous sommes ici. Vous vous décidez à nous dire quelque chose? Je suis désolé, mais la législation financière des pays où sont domiciliées les sociétés associées à la Banque Ambrosiano me l'interdit. Depuis la banque de l'Ambrosiano de Milan, tout cet argent arrive au Luxembourg. En transitant par Nassau, il passe par Zurich et converge sur Panama. Puis il fait étape à la banque des Andes, au Pérou. Et de là, toutes ces centaines de millions de dollars disparaissent soudainement et sont engloutis par une société écran. Calvi, ces secrets doivent prendre fin. Il faut nous parler de ces sociétés. Et ce récépissé de versement à la banque UBS de Genève. Vous avez versé 800 000 dollars pour obtenir un passeport. Je ne sais rien. Mais enfin, c'est bien Gelli qui s'en est occupé, non? Tous ces documents ont été fabriqués de toutes pièces, n'est-ce pas, maître? Ça me semble surréaliste. Je suis littéralement consterné, inquiet. Je ne sais rien. Prenez ça. Juste après les salutations, tournez-vous vers le bossu et dites-lui, soyez tranquille, monsieur le député, en Italie, nous ne possédons aucun document. En route. Il a insisté, mais je lui ai dit que ce n'était pas possible. Madame, je suis désolé de devoir vous revoir dans d'aussi dramatiques circonstances. Ne vous inquiétez pas, monsieur le président. Nous, en Italie, nous ne possédons aucun document. Je vous en prie. Voyez-vous, à notre avis, madame, vous êtes la seule personne en qui nous pouvons raisonnablement avoir confiance, car en réalité, il n'y a que vous qui puissiez voir votre mari et lui parler directement. D'ailleurs, j'ai une idée. Je suis enchanté de faire votre connaissance, madame. Et tes études? Je sais que tu vas bientôt obtenir ton diplôme. Tu dois vraiment beaucoup aimer ton père pour avoir suivi si brillamment des études que lui, dans sa jeunesse, n'a pas pu faire. Merci, madame Craxi. Je vous écoute, madame. En réalité, on m'a suggéré de vous dire que 30 milliards, ce n'est pas une bagatelle. Madame, les socialistes veulent aider votre mari parce que c'est un ami à eux. Oui, mais vous savez, et vous savez aussi, que dans le cas de l'accusation qui est portée contre mon mari, le mandat d'arrêt n'est pas obligatoire. Oui, c'est vrai. Vous savez bien que ce sont les finances publiques qui le poursuivent. Mais nous possédons des documents compromettants contre le chef de file. Alors, vous et votre ministre pourriez nous tendre la main?
Oui, mais bon, ça prendra du temps. Bonjour. Bonjour. Moi, je vous attends ici, madame, d'accord? D'accord. Courage. Merci, Alex. Ton père m'a appelé ce matin, Alex. Oui, oui, je sais tout. Madame, pas ici, je vous en prie. Madame, vous le savez, il faut que vous fassiez vite. Ce n'est pas autorisé, hein? Merci beaucoup. Nous sommes venus avec Mignani. Il nous attend dehors avec l'aumônier. Au fait, papa, elle est vraiment insupportable, ta secrétaire. Tu sais qu'elle ne répond même pas au téléphone. Oui, oui, mais je dois lui parler de mon rendez-vous à Rome. Le bossu a dit que la Banque d'Italie voulait placer quelqu'un à la tête de la Banque Ambrosiano. Il suggère que ce soit... Il me l'a aussi présenté. Si c'est lui qui le met, nous sommes ruinés. Ah, si tu savais comme il fait bien les choses, ce patient, ça. Il vient même de partir pour New York pour aller parler à Carlo. Oh, quel garçon courageux, Carlo. Il voulait venir jusqu'ici pour être près de son papa. Mais je lui ai dit non, car il est beaucoup plus utile à New York. C'est aussi ce que pense Patienza. Oh, mais qu'est-ce qu'il est bien, Patienza. Oui, bien sûr, parfois il exagère. Il dit que cette affaire n'est qu'une guerre entre bandes. Et puis nous allons continuer à rencontrer d'autres hommes politiques, tu sais. Je ne fais plus confiance aux hommes politiques. Vous ne devez plus les rencontrer non plus. Donne-moi un bout de papier et un stylo. Les hommes politiques sont dangereux. Roberto. Dis à Alex de donner ça à Marcinkus. Et ce procès s'appelle Yor. Vous ne devez même pas le prononcer pendant la confession, ce nom-là, madame. Ah oui? Donne-moi ce papier. Ce procès s'appelle Yor. Maintenant, je l'ai dit, oui. Et alors? Yor! Ok, à ce qu'il paraît, ce procès s'appellerait Yor. Mais il perd la tête ou quoi? Mais comment a-t-il eu l'idée, ce crétin? Mais quand on te passe les menottes, c'est un choc. Quand on m'a arrêté, j'ai pensé à un tas de trucs. Je pensais que le pape Paul VI pouvait personnellement intervenir pour tirer au clair les relations du Yor avec Sindona. Ce qui me fait devenir fou à moi, c'est son idée de vouloir dire au juge qu'une bonne partie de ces 26 milliards ont fini ici. Oui, mais je ne dis pas qu'il faille le faire. Je dis que ce n'est pas dramatique si Calvi pense qu'ainsi il pourra réussir à simplifier sa situation. Hein? Entrez. Je vous en prie. Je vous attendais, mon cher. Dites à Calvi qu'il faut qu'il réfléchisse. Il doit réussir à comprendre que cette histoire a été montée de toutes pièces et que nos affaires n'ont rien à voir avec ça. C'est surtout un événement politique. Exactement. Et cette fois-ci, c'est tombé sur lui. Mais s'il perd les pédales, il fait le jeu de nos ennemis. Occupez-vous-en. Ce n'est pas facile. Calvi est de plus en plus abattu. Ah. Et pendant qu'on y est, dites-lui que son fils doit cesser de s'obstiner à envoyer tous ses fax depuis New York. À sa sainteté le pape, au cardinal Silvestrini. Mais qu'est-ce qui peut bien lui passer par la tête? On supporte déjà assez, bien assez. Monseigneur est fatigué de passer son temps à espionner les évêques américains. Il n'en a rien à faire de vous. Il veut seulement se débarrasser de Marcinkus qui commence un peu à l'encombrer. Il faut reconnaître qu'il a toujours géré le Yor comme on lui semblait, ce Marcinkus. Tu me suis? Oui, oui. Très bien. Alors, il y a quelques informations que tu devrais faire parvenir à Monseigneur. Il vaut mieux qu'il soit de notre côté, tu ne crois pas? Car lui et ceux qui doivent le savoir le savent. Entretient des relations étroites avec les ennemis de Marcinkus. Tu me suis? Alors, il est avec l'Opus Dei? Exactement. Tout est en ordre, Monseigneur vous attend. Très bien, allez. Sois tranquille, tout se passera bien. L'important, c'est que ton père sorte de prison au plus vite. Ton père n'est pas notre ami parce qu'il fréquente des francs-maçons et des socialistes. Tu as sûrement entendu parler des perplexités qui pèsent sur la United Trading Company. Il serait très intéressant, pour ne pas dire utile, de savoir à quelle date a été signé le contrat qui en attribue toute la gestion à la banque du Gothard. Mais ce n'est pas un secret. Justement,
Mais nous, nous aimerions connaître la date réelle de ce contrat, pas la date officielle. Monsieur, ils sont arrivés, mais dépêchez-vous, hein. Il faut immédiatement bloquer votre fils. Il est encore jeune, c'est tout. Et votre femme et votre fille aussi, elles feraient mieux de prier au lieu de remuer ciel et terre, surtout en compagnie de ce Pacienza. Oh, Roberto, ils sont en train de... Bonjour. De préparer une grande offensive judiciaire contre le chat et le renard. Alors, ils vont me rendre mon argent? Je ne sais pas. Mais le chat et le renard seront dénoncés par tous ceux qui s'estiment trompés par eux. Trompés? Mais ils faisaient tous la file pour entrer dans la loge P2. Ils veulent que tu deviennes le chef d'une loge P2 épurée. Épurée? Oui, oui, épurée. Oh, excuse-moi, mais tu m'énerves quand tu es comme ça. Tu as... Eh non. Le type de la cellule laisse la radio allumée jour et nuit. Je n'en peux plus. Alors, papa, tu vas te battre ou pas contre le chat et le renard, hein? Il faut que je sorte d'ici, oui. Qu'est-ce que tu as dit? Qu'ils doivent vite me faire sortir d'ici. Monsieur Calvi, le directeur est arrivé. Il faut rentrer, hein? Oh mon Dieu, j'ai oublié. Pacienza demande ce que tu veux faire avec cet homme politique napolitain. Mais c'est très cher. Très cher, d'autant plus que ce Cirillo m'est tout à fait antipathique. Chut ! Le secrétaire du parti et ses associés font des pieds et des mains pour le faire libérer. Tu dois y réfléchir. Maintenant, ça suffit. Il me faudrait d'autres cachets. Mais ça fait une semaine que vous en prenez. Mais je n'arrive pas à dormir. D'accord. Et voilà. Ah, merci. Allez, c'est merci. Bon, sortez. Je vous rejoins tout de suite. Écoutez, Hé, à quoi vous avez peur? Marchons. Marchons un peu. Président, vous pouvez être tranquille. Dans notre grande famille, vous ne comptez que des amis. Que des amis. Voilà. Alors, président... Il y a ce pauvre type, un de nos bien-aimés concitoyens, que les Brigades Rouges ont enlevé. Et que tout le monde ici, tout le monde voudrait bien libérer. C'est juste, non? Oui. Oh oui. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir bien faire pour qu'il puisse retrouver sa famille? Il y a des gens à Rome qui tiennent beaucoup à ce monsieur-là. On le fait libérer? Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'il vous prend? N'oubliez pas de dire à Roberto que c'est vous qui avez voulu ouvrir la mallette. Et il me fait confiance, oui ou non? Attendez, attendez, ça y est! J'ai trouvé. C'est le document qui condamne les finances publiques. Des années de spéculation sur des quintaux d'or. Puis ils les ont fait transiter à travers des sociétés écrans. Bref, des sociétés libériennes, inutile de préciser. Et non seulement ça, leur chef de file, Medio Banca, possède des fonds hors budget, des fonds secrets pour gérer des affaires illégales. Ils n'ont qu'un scrupule à s'acharner sur Roberto. Et nous avons intérêt à attaquer les finances publiques? Mais comment ça, excusez-moi? Ces gens-là n'ont pas de scrupules. Et en plus, avec tout ce que ça a coûté... La voilà. Voilà la lettre de la Banque d'Italie. Dean. Vite! Passons dans la pièce d'à côté. Non, ne bougez pas. Restez là, merci. Tais-toi. Calme-toi, arrête. Ne vous inquiétez pas, elle ne vous fera pas de mal. Bougez. Ah, mais vous n'êtes pas seul, je vois. Restez. Excusez-moi, mais il s'agit d'une question délicate et intime. Non, il n'y a pas de problème. Ces messieurs ont toute la confiance de mon mari. Nous n'avons pas de secret. Vous pouvez parler. Entrez. Dites-moi donc. Alors, il ne s'agit pas seulement d'une suggestion. Croyez-moi, madame, je ne vous dis pas ça d'un cœur léger. Voilà. Si votre mari veut sortir de prison, il doit se repentir. Se repentir? Oui. Se repentir. Vider son sac. Surtout contre les socialistes. Les juges n'attendent rien d'autre que certaines confessions. Anna! Si papa parle, il sera libéré. C'est à Sandine qui est venue nous le dire. Il doit vider son sac, attaquer les socialistes. L'avocat va tout expliquer. Il t'attend dans son bureau dans une heure. Habille-toi, vite. Non, ça ne va pas.
Je viens d'appeler la prison. Et ils ont accepté un entretien pour demain. Enlève ça. Mais je pense qu'il vaut mieux que tu ailles seule. Tu es d'accord? Mais t'as Sandy, maman. Qui est-ce qui nous l'envoie? On ne doit rien savoir. Il vaut mieux que nous ne le sachions pas. Papa, lui, il comprendra. Ah! Et dis-lui aussi que nous avons décousu un bord de sa serviette pour y chercher le document qui attaque les finances publiques. Et regarde, tout est là. Regarde! Ça vient de la Banque d'Italie. Lis ça. Papa avait raison. Il lui donne 5 ans pour régler la question des holdings à l'étranger. Tu te rends compte? Ils complotent tous. C'est un complot. Et si je ne peux plus résister? C'est vous qui menez l'enquête sur l'affaire Eni Petromène. Je pourrais vous dire beaucoup de choses, mais vous devez me faire sortir d'ici. Calvi, nous sommes désolés. Mais nous n'avons pas le pouvoir de faire sortir de prison un homme inculpé pour des faits différents de ceux pour lesquels il est incarcéré. Écoutez, Calvi, vous êtes ici parce que vous êtes inculpé d'exportation illégale de capitaux. Calvi, si vous voulez collaborer, vous devez nous parler de ces opérations bancaires que vous avez pratiquées. Absolument incompréhensible. Qu'est-ce qu'il y a? Ce n'est pas moi le patron de la banque Ambrosiano. Alors pourquoi vous comportez-vous comme si vous l'étiez? Je fais seulement ce qu'on me dit de faire. C'est qui on? Je ne vais pas en dire plus. Mais vous ne nous dites rien. Rien du tout. Qui sont ces gens? Ce sont... Eh bien, ce sont... Un homme. Ce sont... Je ne veux pas perdre le fil. C'est Jelly Ortolani et aussi Sindona. Ils m'ont fait comprendre que si j'intervenais financièrement en faveur de partis politiques, ça pourrait m'être très utile. Oui, je sais. J'aurais pu refuser, mais ils m'ont fait comprendre, en exerçant des pressions, qu'un refus de ma part engendrerait de sérieux dommages pour mon groupe. Quels sont les partis que vous avez financés? Excusez-moi, je suis en retard. Continuez, je vous en prie. Le fait que certains responsables du Parti Socialiste m'aient téléphoné pour me remercier de tout ce que j'avais fait pour eux ne fit que confirmer la destination de cet argent. Qui vous a téléphoné? Le secrétaire du Parti Socialiste. Mais Calvi, qu'est-ce que vous dites? Ne donnez aucun nom! Cher confrère, restez à votre place. Il est inadmissible que vous décidiez de ce que Calvi peut ou ne peut pas dire. Calvi, vêtu de noir, semble nerveux. Il est assis dans le box des accusés aux côtés des autres inculpés pour subir le procès le plus retentissant jamais mené contre des hauts responsables de la finance catholique. Tous comparaissent menottement et serrés les uns contre les autres dans ce box qui a vu défiler avant eux des terroristes renommés, des mafieux et d'autres ténors de la que je demande aux policiers de ne pas boucher la vue aux journalistes. S'il vous plaît, ces accusés sont comme tous les autres. La presse a le droit de les photographier. Écoute-moi bien. Tout le monde a décidé de te repentir. Fais attention, rétracte-toi. On m'envoie te dire que si tu continues dans cette voie, tu vas y passer toute ta vie en prison. Tu as compris? Tu as compris ou il faut que je te le répète? Oui. Non. J'ai compris.
votre mari a tenté le suicide cette nuit. Simuler autant de suicides qu'il le souhaite, ils le ramèneront toujours en prison. La tentative de suicide du banquier Calvi ne fait que démontrer avec force que nous baignons dans un climat inquiétant de lutte de pouvoir et de comportements sans scrupules, de violence et d'intimidation. Le krach boursier de ces derniers jours suffirait à confirmer l'ampleur du danger et les conséquences de ces luttes de pouvoir. Le pouvoir ? Mais qui donc a le pouvoir ? Il y a de nombreux responsables, y compris ces juges, avec leurs initiatives qui présentent des aspects irraisonnables. Oui, 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 c'est ça, c'est la faute des juges, oui, un brave type, Calvi. Quand on passe les menottes sans que la loi ne l'oblige à des financiers qui représentent de façon pauvre directe Calvi. Ou indirecte... Maintenant, même s'il sort, il peut dire adieu à l'embrouille. Non, je ne crois pas qu'une chose pareille puisse arriver. Des réactions psychologiques incontrôlables, le des débat sur la confiance accordée à Spadolini, premier chef de gouvernement laïque après 40 ans de gouvernement présidé exclusivement par les démocrates chrétiens, est en cours. Hier, Andreotti a rencontré le cardinal Casaroli. Longuement. Il est très préoccupé. Et le pauvre Calvi ? Il a démontré qu'il avait une bonne trempe. 40 cachets d'un seul coup. Et il s'est aussi coupé les veines des poignets. N'importe qui serait mort. Lui, il sait résister. C'est comme toi. Quoi qu'il en soit, cet acte est grave. Et si nous faisions un geste à son égard ? Le cardinal Casaroli vient d'arriver. Le moment est venu pour moi d'aller fumer une petite cigarette. Cher père. Les juges ont déjà reçu la lettre. Marcinkus espère que vous saurez apprécier ce geste généreux. Ce geste ne sert à rien. Il ne suffit pas de dire que l'Ambrosiano n'a rien à voir avec cet argent. Ça ne sert à rien de dire ça. Il faut dire où est l'argent, sur quel compte. J'en parlerai à Monseigneur Marcinkus, mais... Bonjour. Patience a dit que tu dois lui révéler des noms. Des vrais patrons de l'Ambrosiano. Qui se cache derrière ? Tout le monde pense que c'est toi. Ils doivent continuer à le croire. Car s'il en était autrement, personne ne lèverait le petit doigt pour me venir en aide. Ah ! Arrête de bouger. Tu me donnes le mal de mer. Il pourrait y avoir des micros cachés. Quelle erreur ai-je commise ? Cette histoire avec les socialistes... Et encore, c'est peu de choses par rapport à ce que j'aurais pu leur révéler. Eux, ils le savent parfaitement. Et malgré cela... Excusez-moi, oui? Les juges sont là. Bonjour. 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 Il n'y a qu'une chaise. Président, excusez-moi. Vous n'êtes pas encore remis. Mais je dois vous poser une question dont la réponse va exiger... un certain courage de votre part. Est-il vrai qu'on vous a menacé ? Non. Je n'ai pas été menacé. Mais alors, pourquoi l'avez-vous fait ? Dans tous les journaux, on dit que vous êtes un dur à cuire. Est-ce que vous l'avez fait pour éviter le krach boursier ? Moi, de la bourse, je n'en ai rien à foutre. Disons que c'était un geste de lucidité désespérée. D'où revenait-elle, la fille de Jelly ? Oh, une péripétie un peu longue. Le Brésil, Paris, Nice, puis Rome. Après son arrestation à l'aéroport, qui l'a interrogée ? Le procureur Domenico Sica. Et les documents de Jelly, où se trouvaient-ils ? Ici,
dans le double fond de la serviette qu'il avait confiée à sa fille. Ces documents, ils sont authentiques? Peut-être que oui, peut-être que non. Par exemple, celui-ci. C'est un des plus déconcertants, disons. Le cachet du Pentagone est certainement authentique. Nous avons aussi confronté la signature. Résultat, c'est celle de Westmoreland. C'est bien la sienne. We do know who Jelly is. Nous savons qui est Jelly. Il n'est pas exclu qu'il ait organisé lui-même l'arrestation de sa fille. Il nous fait dire, mes amis, je n'ai commis aucune faute. J'avais un mandat et j'obéis aux ordres. Et il ne veut pas rester caché toute sa vie. Ah, c'est sûr. De toute façon, s'ils veulent démolir quelqu'un de haut placé, et il est essentiel que tous les documents soient authentiques. À mon avis, il serait bien de prétendre que les documents ne sont ni authentiques, ni falsifiés. C'est pour moi. Allô? Roberto est au plus bas. Il va mal. Il ne croit plus à rien. Déjà qu'il ne faisait pas confiance aux hommes politiques. Mais ce qu'ils ont dit au Parlement, c'était pas anodin, c'était réussi, non? Tu parles! Ils se servent de Roberto pour aller contre les magistrats. Allons enfin, il faut l'aider à fuir. Vite! Et alors, ma chère, il faut se décider. Nous devons utiliser tous les moyens possibles, nous armer et augmenter la pression. D'accord. N'ayons plus de scrupules. Allons-y maintenant. Et vite. Qui c'est? C'est lui, il est en haut. Vincenzo! J'arrive, j'arrive. Vous arrivez juste à temps, c'est presque terminé. Alors, Vincenzo, qu'est-ce que ça donne? Eh, on en a déjà imprimé 20 000. Ils sont réussis, hein. Les fraudes monétaires de Mediobanca. Belle couleur, bravo. Et grâce à l'omerta de la Banque d'Italie, Mediobanca a organisé des trafics et des fraudes monétaires. Mais ça ne vous paraît pas trop? Trop? Il doit sortir de prison et retourner à Lambrosiano. Tu vas voir l'effet que ça va faire sur les murs. Et les adresses? Voici la liste. Une copie dans chaque enveloppe et on attend le signal. Et si ça marche pas? Ça marchera, tu peux être tranquille. Et le pognon de Calvi? C'est les bons billets? Calvi est un vrai gentleman. Je crois que Cirillo va bientôt pouvoir rentrer chez lui. Incroyable ce qu'il est moche. Pire que vous deux réunis. L'accusation retient non seulement les faits qui lui sont reprochés, mais pense que Roberto Calvi est aussi capable de comportements dénués de tout scrupule. Sa relation avec Lucio Gelli peut être objectivement qualifiée de grave atteinte à l'intégrité. N'oublions pas ses penchants pour la corruption et son appartenance à la loge P2 créée par ses soins. Excusez-moi. Par conséquent, notre tribunal condamne Roberto Calvi à 4 ans de réclusion criminelle et à une amende de 16 milliards de lire. C'est une honte, c'est inadmissible. Le verdict était prévisible, un an plus ou moins. Ne faites pas cette tête. En Italie, après la condamnation, on peut sortir de prison et nous faisons tout notre possible pour récupérer son passeport. Alors, cher maître? Il est foutu. Vous savez, il va devoir quitter la banque Ambrosiano. Ils sont tous là, déjà. Ils vous attendent. Tenez-vous à disposition. Nous diffuserons aujourd'hui même le communiqué définitif du Conseil. Excusez-moi, président. Plus tard, Méline. Dans cette situation, il aurait dû démissionner. Il sait trop de choses pour que nous puissions nous passer de lui. Asseyez-vous, messieurs, asseyez-vous. Messieurs, j'ai entendu dire que certains d'entre vous s'étonnaient que je reprenne mes fonctions. Je voudrais donc, avant d'ouvrir cette session de travail, mettre rapidement un terme à cet étonnement. Du point de vue strictement juridique, la Banque d'Italie aurait pu mandater un commissaire à la tête de Lambrosiano. Mais seulement si les trois conditions suivantes avaient été remplies. D'abord, s'il y avait eu de graves irrégularités. Deuxièmement, si d'importantes pertes de capitaux avaient eu lieu. Troisièmement, si le conseil d'administration, c'est-à-dire vous, en avait fait la demande.
Le premier et le deuxième point sont hors propos. Quant au dernier, c'est-à-dire votre requête, il me semble que dans les circonstances actuelles, elle n'aurait aucun sens. Comme nous le verrons pendant cette réunion, la santé financière de notre groupe pour les derniers mois s'avère plus que satisfaisante. Les faits figurent dans le budget financier. Tout le reste n'est que commérage. Que fais-tu ? Tu pleures ? Hein ? Parle enfin, qu'est-ce que tu as ? Si tu veux pleurer comme un petit bébé, alors ne te fais pas voir. Il faut que je me cache devant ma famille. Qu'est-ce qu'il y a encore ? Rien. Tu ne peux pas comprendre. Je ne peux pas comprendre. Continue de penser que les autres sont stupides. Depuis qu'on t'a arrêté, les banques étrangères ne t'accordent plus de prêts. C'est la vérité. Et en plus, elles voudraient bien récupérer les fonds qu'elles t'ont prêtés. Mais qui t'a raconté les choses pareilles ? Patience, ça. Encore lui. Et maintenant, tu te méfies même de Patience, ça ? Mais non. En attendant, il continue à m'extorquer du fric. Pire que le chat et le renard. Et s'il se mettait du côté des finances publiques ? Roberto, hein, tu deviens parano. Ah, la paranoïa. Pourquoi ? Tu crois qu'on peut lui faire confiance ? Même Roseau, lui. Je l'ai nommé vice. Mais de quel côté il est ? Et j'ai dû accepter de mettre l'homme du bossu dans le conseil. Ai-je bien fait ? Ai-je mal fait ? Et Marcinkus ? Oh, lui, il ne pense qu'à devenir cardinal. Allez, tiens, bois ça avant que cet horrible tout ne te reprenne. Tu sais ce qui se passe. Tu es complètement épuisé. Tu es fatigué. Tu sais ? Même Patience me l'a dit l'autre jour. Depuis combien de temps, Roberto et toi, vous n'avez pas pris de vacances ? À la mer. Cher Santorito, ravi de vous voir. Bonjour. Mohamed Al-Fadl. Bonjour, Patienza. Attention, il arrive. Professeur ! Oh, cher Francesco, merci pour l'invitation. Excusez-nous un instant. Je vous en prie. Il faut qu'il arrête de faire semblant de téléphoner. Dites-lui de sortir, les autres ne vont pas tarder. Oui. Excusez-moi. Después de todas las cooperaciones latinoamericanas son financiadas, casi todas, por sus consociadas. ¿Y cuál porcentual sustrae? Muy altas, pero no sabemos todavía qué hace con el dinero sustraído. Segundo nos de Londres, resulta que está buscando de comprar el Ambrosiano de solo. C'est exactement ce que je te dis. Ah, il va falloir ça. Et tu sais que Pipo Calo va venir ? Pas tout seul. Voici mon ambassadeur préféré. Ah, comment ça va ? Occupe-toi de là. Arrête un peu avec ce téléphone. Oh, je te rappelle. Arrête, ça suffit. Allez, salut, à bientôt. Allez, ciao. Kiss me. Mais arrête, Francesco, avec ces plaisanteries inutiles. Mais si tu sais qui je suis, pourquoi tu t'énerves ? Devinez qui arrive ? Je viens de leur ouvrir le portail. Et celui-là ? Qui le c'est ? Le petit avec le fromage et la perruque. On c'est Carboni. Un petit propriétaire sorbe avec son escorte. Tout ce que je peux vous dire, c'est que personne en Italie ne peut échapper à son contrôle. Et c'est un ami intime du futur grand maître de la maçonnerie. Ah. Tu vois comme il est petit ? Eh bien, il possède le journal le plus prestigieux de Sardaigne. Il a construit un complexe résidentiel à faire pâlir dans Villa Gacan, sans compter le reste. Et pour ne pas citer ses rapports privilégiés avec les instances décisionnelles du Vatican. Tu as dit décisionnel ? On ne peut plus décisionnel. Comment ça va, toi ? Bien. Hé, Carmen ! Toi, salut, bien, toi. J'espère. Ça va ? Mais il est armé ? Eh bien sûr, avec tous ces enlèvements, vous plaisantez ? Vous changez pas, vous, hein ? Et les autres, tu les connais ? Celui avec la cravate, c'est le président de la région Sardaigne. L'autre, c'est le secrétaire au trésor, très proche du ministre. Excusez-moi, mais ce n'est pas le professeur qui est très proche du ministre ? Non, lui, c'est le conseiller. Lui aussi, très influent, bien entendu. Santé. Et celle-ci, qui est-ce ? Une amie. Une amie. Et les cover actions, c'est quoi ? Eh bien, les cover actions, ce sont des actions des services secrets. Vous devriez demander votre mari. C'est une espionne ?
Elle, une espionne. Mais elle est avocate à Panama. Venez, allons retrouver Carboni. Bonjour, soyez les bienvenus. Salut. Je vous laisse. Président, il y a des gens que c'est un plaisir de rencontrer. D'autres, c'est un honneur. Vous êtes l'un de ceux-là. Merci. C'est aussi vrai pour moi. Où est-il? J'en peux plus, on meurt de chaleur. Mon Dieu, regarde qui est là. Faisons demi-tour. Il ne t'a vu, ça serait inutile. Viens. Comment ça va, Calvi? Je vois que vous êtes remis, c'est bien. Bien, merci. Vous connaissez ma femme? Pas encore. Mais madame, par contre, me connaît très très bien, n'est-ce pas? C'est bien elle qui fait Hello. Imprimer des tracts dans les sous-sols, non? Excusez-moi. Francesco! Clara! Président, regardez qui je vous amène! Bonjour, quelle surprise! C'est une femme fragile, elle a beaucoup souffert pendant ma détention. Je comprends. Autrement, elle n'aurait pas fait imprimer ses tracts. Et voilà. Mais quelle nouvelle à la banque Ambrosiano! Comme vous le savez, pour ma femme, les finances publiques sont un peu un mythe. Un mythe ou un cauchemar? Mais on vous attend, je vous en prie. Ah oui, excusez-moi. Tiens, réponds. Oui. Vous pouviez vous reposer. Nous nous serions vus ce soir. J'ai reçu des instructions codées. On m'ordonne de continuer à fournir des fonds aux Panaméens. Vous vous rendez compte? Calmez-vous. Nous sommes là pour en parler. Calvi, vous le savez. Nous vous avons toujours fait confiance. Mais maintenant, nous devons parler clairement. C'est pour ça que je me suis précipité ici. Un bon espion, ton prêtre. Ouais. Mais c'est toi qui lui as parlé pour qu'il vienne. Paul. Alors, ces lettres de garantie. Mais si je t'écris ces lettres, le monde entier pensera que c'est nous qui soutenons les Panaméens. Ceux qui veulent le penser le penseront. Pas de problème. Il manque combien? Un milliard, plus ou moins. Quoi? Qu'est-ce que tu viens de dire? Un milliard, plus ou moins. Et moi, je devrais me porter garant d'une dette d'un milliard de dollars? Non. Je dis non. Mais c'est le milliard que j'ai donné à Solidarność. Assieds-toi. Hey, calme-toi. Ok? Écoute, pourquoi tu ne vends pas ce maudit journal? Le Corriere de la Sera vaut au moins 200 milliards de lire. Tu dois faire quelque chose, et tu dois le faire tout de suite. Mais si on prend mon passeport, je ne peux plus bouger, je suis pieds et mains liés. Écoute, je sais ce que nous allons faire. Essayons de prier un peu. Seigneur, notre sort est entre tes mains. Nous mettons en toi notre confiance. Il n'y a que toi qui puisse nous aider. Roberto me demande de lui signer une lettre. Je le ferai. C'est toi qui détiens notre avenir. Excusez mon retard. Je crois que vous pouvez rentrer à Lima. Voici les lettres de garantie. Celle-ci est adressée à la Banque des Andes et l'autre à la Banque du Nicaragua. Les textes sont identiques. Les deux sont signés par Marcinkus. Comme vous le voyez, le Yor reconnaît être propriétaire des sociétés panaméennes. Alors, l'actionnaire majoritaire est bien le Yor. Et confirme avoir connaissance de la dette à l'égard des banques des Andes et du Nicaragua. Et il dit aussi à quoi servent ces putains de millions que les Panaméens ont empochés sur nos holdings à l'étranger? S'il vous plaît, Rosone. Le total correspond entièrement au montant de la dette. Alors si tout va bien, on peut geler la dette. Oui, mais la dette... Tant bien que mal, il faudra la payer. Dans ce cas-là, nous vendrons certaines actions de garantie. J'ai toute licence pour le faire. Oui, certaines actions, mais même en les gonflant au maximum, ça ne couvrira pas la moitié de la dette. La différence, qui va la payer?
Vous verrez, il suffira de quelques mois pour que la dette soit réduite. Ensuite, nous demanderons au Vatican de faire un second pas. Il en a déjà fait un. Un second pas, lequel ? Vous plaisantez ? Qu'est-ce que c'est ? Mais quelle heure est-il ? Mais pourquoi les chiens sont-ils nerveux comme ça ? Quelle heure est-il ? 7 heures. 7 heures ? Mais qui ça peut être ? Il y a quelqu'un ? Reste au calme. Occupe-toi des chiens, toi. Allons contrôler l'écran vidéo. Il n'y a personne. Et pourtant, il y avait quelqu'un. Oh, écoute, Roberto, tu es bien sûr de vouloir te séparer de Patienza, tu en es sûr ? Papa, tu sais que maman a raison. Tu dois décider si Patienza est ton ami ou s'il ne l'est pas. Et en plus, tu as toujours dit qu'il est impossible de réussir à faire des affaires si on n'a pas de son côté les services secrets. Les services secrets ? Lesquels ? Et maintenant, qui c'est ? C'est lui. Mais lui qui ? Va t'habiller. Et toi, enferme les chiens. Ah. Président, il y a quelqu'un pour vous ici, mais il ne veut pas dire son nom. Accompagnez-le. J'arrive tout de suite. J'arrive trop tôt, Président. Et même si nous vivons dans la capitale, nous savons être ponctuels quand ça en vaut la peine. Vous m'avez dit 7 heures, je suis venu à 7 heures. Excusez-moi de vous recevoir comme ça. Vous êtes venu avec votre avion privé, j'imagine. Bien sûr, je ne pouvais pas vous en parler au téléphone, mais vous avez sûrement compris qui m'envoie. Oh, Capri, quel beau tableau. Ah, si vous saviez comme il parle de vous. Si nous l'aidons, il n'y a pas de doute. Ce sera lui le nouveau grand maître de la maçonnerie. Et vous savez mieux que moi ce que cela veut dire, hein. Ah oui, pour les élections. Combien vous faut-il ? 5 000. C'est d'accord. Mais pour l'instant, ce qui m'inquiète le plus, ce sont nos relations avec le Vatican, oui. Je ne dis pas que nous sommes en pleine rupture, mais les finances publiques en profitent et remuent les pouvoirs occultes. Ah, mais c'est un complot alors, non ? Chut ! Qu'est-ce que vous croyez ? Que mon arrestation a été une coïncidence, à travers moi, ils veulent couler les finances catholiques. Il y a des preuves ? S'il y avait des preuves, de quel complot pourrait-on parler ? Oh, madame. C'est un vrai plaisir de vous revoir. Excuse-moi, mais pourquoi on ne s'est pas vu dans ton bureau ? Eh bien, parce qu'au Vatican, moins on te verra, mieux ce sera. Lise ça. Ça vient tout droit de la banque du Gotthard. Jolie, non ? Ce sont mes nièces. Tu ne connaissais pas mes jolies nièces. Mais on en avait parlé de la dette et des lettres de garantie. 300 millions de dollars, je m'en souviendrai. Ne dis pas de conneries. Le trou augmente au lieu de diminuer. On ne peut pas continuer comme ça. Ça suffit. Ça suffit, ça suffit. Fais bien attention. Je peux le dire, moi aussi. Bien. Commence par ces 300 millions. Et n'oublie pas que la garantie couverte par mes lettres expire fin juin. Vois un peu ce que tu peux faire. Je le ferai. Je le ferai. Je procède à la lecture des différents points qui sont à l'ordre du jour de notre réunion. Points approuvés lors de la commission du 26 septembre. Les syndicats. Ils doivent s'en tenir strictement à leur fonction première, même au prix d'une scission. C'est seulement comme ça qu'on pourra limiter le droit de grève. La magistrature. Les modifications plus urgentes concernent la responsabilité des juges. Il était temps. Tous ces juges ont vraiment dépassé les limites. Je suis d'accord avec Mr. Kane. Pour les contrôler mieux, il faudra séparer leur carrière. Et augmenter le nombre d'hommes politiques dans le Conseil supérieur de la magistrature. Excusez-moi,
Papa, c'est la ligne secrète. Qu'est-ce que je dis? Que tu es là? Non, toi, tu dois rester avec Vittorio. J'y vais. Roberto, l'idée de faire combler le trou par les types de l'Opus est géniale. J'ai tout de suite mis sur le coup les amis de l'Opus espagnol. Oui, mais ils sont vraiment trop réactionnaires, trop anti-soviétiques. S'ils prennent le contrôle du Yor, tu sais très bien que la politique étrangère du Vatican changera du tout au tout. Quoi? Alors tu as peur de Casaroli? Tu as peur du bossu? Évidemment, il complote déjà. Arrête de paniquer. Le pape court plus derrière l'Opus Dei que derrière les soviétiques. De quoi tu as peur, hein? Les choses sont à bon point. Tu verras, ils combleront le trou à la barbe de Marcinkus, de Casaroli, d'Andreotti et des autres. Ouais. Et à la barbe des finances publiques. Éminence, il suffirait d'un geste. Non, non, mais le point crucial est un autre, Calvi affirme. Qu'en comparaison, en somme, le cas de Sindona, vous me comprenez. Calvi dit que, s'il parle, Saint-Pierre se retournerait dans sa tombe. Alors, s'il est vrai que l'Opus Dei est si sensible à l'intégrité de l'Église, vous... Dites à Calvi que nous ferons tout notre possible. Partez maintenant. Nous en reparlerons dans les jours qui viennent. D'accord, on s'en va. Cher Palatini, nous savons tous que le Saint-Père a toujours considéré l'Opus Dei d'un œil bienveillant. Mais il y a un temps pour toute chose. Ah, Calvi, le cardinal Palatini a été charmant. Il m'a même raconté comment vous vous étiez connu. Asseyez-vous, asseyez-vous. Il m'a dit Calvi, mais oui, bien sûr, je m'en souviens très bien. Et puis Paul VI a toujours été fort bien disposé à son égard. Son éminence ne mâche pas ses mots, mais moi non plus, hein. Alors je lui ai dit comme ça, ou plutôt, je lui ai asséné éminence. Il vaut mieux que le trou soit comblé en famille. Le trou? Mais non, bien entendu, je n'ai pas dit le trou. J'ai parlé d'opération de redressement. Et puis, il vaut mieux que les finances publiques ne mettent pas leur nez dans l'Ambrosiano et le Yor. Je lui ai dit comme ça, éminence, l'Opus Dei assumera le coût de redressement. Et en échange, il aura le paquet de contrôle. Mais Calvi, lui, il doit rester là où il est. Parce qu'autrement, cela aurait des effets négatifs sur son travail et sur tout ce qu'il administre et, pourquoi pas, sur son intégrité. Mon intégrité? Oui, votre intégrité. Président, vous devez vous rendre compte qu'il s'agit d'une guerre. Nous sommes tous en guerre à chaque minute. Dieu merci, fort heureusement, nous avons derrière nous une organisation qui est 10 fois plus puissante que toute la démocratie chrétienne. Vous comprenez que nous, quand nous le voulons, nous arrivons au sommet du pouvoir. Vous m'avez compris, au plus puissant. Oui. Et le grand maître, on le voit quand? Ce soir même. Ah, j'oubliais. Le petit frère vous remercie. Les dollars sont arrivés. Je les ferai transférer à qui vous savez. Qui est-ce? Excusez-moi, mais il est arrivé. Il va monter. Ah, président. Bonne nouvelle, les bons du trésor viennent à peine d'arriver. Ah, finalement. Ah, très bien, très bien. Et comme ça, l'avocat s'occupera des juges. Courage, président. Votre procès en appel ne sera qu'une formalité. J'espère bien. Avec tout ce que ça m'a coûté. Hé, hey, Carboni. Flavio. Mais nous sommes sûrs que Calvi les recyclera. 800 millions, c'est une fortune. Quelle question? Calvi dit que le prix est quand même un peu excessif. Qu'est-ce que tu en dis? Ce que j'en dis, c'est que de toute évidence, l'argent, il n'est pas habitué à le gagner. Ah, monseigneur, il y a du nouveau? Ça n'a pas été facile, croyez-moi.
Mais le pape, finalement, accepte de vous rencontrer. Alors ? Comment ça s'est passé ? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Mais lâche-moi! C'est merveilleux. Le pape veut me voir. Le problème de la dette est résolu. Il veut que je m'occupe des finances du Vatican. Génial! Je monte immédiatement pour le dire à Victorio. Il sera tellement content. Attends, Anna. Personne ne doit le savoir, même ton fiancé. C'est un secret. Mais vous êtes vraiment sûr? Je vous le répète, mon impression, c'est que si je signe, je creuse ma tombe. Oui. Oui, parce qu'ici, par exemple, j'admets que j'ai agi sans le consentement du conseil exécutif du Yor. Et là, je reconnais même que j'ai abusé de leur confiance. Et là, je déclare que je suis disposé à me retirer sans compensation, afin d'éviter une catastrophe d'inimaginable proportion. Mais, président... Si les cardinaux ne sont pas sûrs que vous êtes disposé à vous sacrifier pour l'Église, nous sommes perdus. Oui, c'est vrai. Vous admettez que vous avez commis des erreurs, mais... C'est le seul moyen de leur faire comprendre que vous êtes de bonne foi. N'y allons pas par quatre chemins. En exigeant cette lettre, le cardinal Palazzini précise qu'elle nous sert à renforcer la position des ennemis de Marcinkus. C'est la meilleure preuve de votre opposition à Marcinkus. Vous deviez le contrôler et vous ne l'avez pas fait. Et la rencontre avec le pape ? Président, vous êtes impatient et vous avez raison. Mais nous ne devons surtout pas oublier l'enjeu de tout ça. Eh bien, l'enjeu, c'est un changement de pouvoir très délicat, bien sûr. Et très périlleux aussi. Et qui pourrait faire trembler les personnes les plus courageuses. Oui, 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 je comprends, mais... Président... Nous allons voir le grand maître. Cette fois-ci, il nous reçoit au palais, avec tous les honneurs. Il a signé sa fin. Mettre la table pour vous aussi. Saint-Père, outre la liste de nos propositions, il y a aussi une lettre de Calvi. Et nous avons aussi mentionné les noms de nos frères de l'Opus Dei, qui sont disposés à assumer la dette. Oui. Il est bien clair que la condition sine qua non, c'est l'éloignement de Calvi et de Marcinkus. Mais nous verrons ce que nous pouvons faire. Un système financier peut toujours être ajusté. On peut même le modifier, si les conditions le permettent. Mais la politique est toujours à la merci des tendances. Elle est conditionnée par l'histoire. Vous avez compris? Pas de cadavres à Milan. Les cadavres en peste. Oui, mais ne t'inquiète pas, je connais bien mon boulot. Tu verras, ce sera un jeu d'enfant. Attends, je vais voir. Je crois que c'est elle. C'est toi ? Attends-moi dans la voiture. D'accord. 2 minutes. Eh ben, dis donc. Et après, on dira que les femmes sont pas précises. C'est combien qu'il nous doit, Baffino ? Si on enlève le pourcentage, ça fait 100 milliards. Comme ça, Calvi va se remuer à la paillasse. Allez, dépêche-toi. Attends un peu. Un petit cadeau pour la gonzesse, ça la mettra en forme. Allez, à tout à l'heure.
Roberto? Anna? Anna, papa a disparu. Je l'ai appelé, il ne répond pas. Que j'ai deviné. Viens. Mais qu'est-ce que tu fais? Quand il y a trop d'argent en jeu, les gens sont prêts à tout. Lâche-moi. Lâche-moi. Roberto. Ici, je les descends. C'est pratique et rapide. Elle est toujours fermée avec un code secret, ta serviette. Anna, laisse-nous seuls. Alors, c'est vrai? Aujourd'hui, Roson, et demain, ce sera toi? Mais pourquoi l'as-tu nommé vice-président? Pourquoi est-ce qu'on lui tire dessus? C'est parce qu'il blanchit l'argent sale de la mafia ou parce qu'il refuse de le recycler? Et toi, qu'est-ce que tu as à voir avec la mafia? Courage, parle! Dis-le-moi! De quoi tu as peur? De Marcinkus, de Casaroli, du Bossu, du Chat et du Renard, de la mafia, hein? Des socialistes, des finances publiques, des services secrets, des francs-maçons? Mais ça ne fait pas trop tous ces ennemis que tu as! Tu disais qu'avec l'argent on achète tout, que ce n'est qu'une question de prix! Alors tu as distribué du fric partout pour en arriver à cette situation absurde. Non. Ne perds pas confiance. N'aie pas peur. C'est vrai que moi, je joue avec le feu. L'enjeu est un changement de pouvoir très délicat. L'Opus Dei va virer Marcinkus et prendre en main les finances du Vatican, tu comprends? Et toi? Moi, je resterai à mon poste. Tu dois comprendre qu'une opération aussi complexe et dangereuse effraie trembler les plus courageux. Mais moi, j'ai peur parce que toi, tu as peur. Oui, j'ai peur. Mais alors, partons d'ici. Je t'en prie. Allons-nous-en. Je ne veux pas perdre 10 années de pouvoir. Et puis nous avons encore des amis. Oh oui, Pacienza, Carboni, ils sont là seulement pour te soutirer de l'argent. Et puis ceux qui ont tiré sur Ozone. Pacienza les connaissait? Oui, oui, ils les connaissaient. Et même les services secrets les connaissaient. Aujourd'hui, tout le monde connaît tout le monde. Ils font tous leur jeu à eux et moi... Moi, je me sens encerclé, je ne sais plus à quelle porte m'accrocher. Maman, qu'est-ce qu'il y a? Hein? Écoute, il y a une chose que papa n'a pas le courage de te dire. Me dire quoi? Ils ont menacé de te faire du mal pour l'atteindre lui. Oh.
veux pas. Je ne peux pas rester loin de ma famille, loin de toi. Je ne peux pas, je n'y arriverai pas. À Washington, nous avons des amis, tu le sais. Toi et Carlo, vous serez en sécurité. Tu dois partir. Maintenant, nous sommes vieux. De moi. Hein? Vas-y, maintenant. Désirez-vous une tasse de thé? Oui. Saint-Père. Nous avons une lettre. Tes ennemis aussi savent écrire. Hé, lis-le si tu veux bien. Le passage où il parle des Panaméens, des sociétés offshore. Saint-Père, les sociétés offshore sont derrière les trafics économiques les plus condamnables. Ils blanchissent de l'argent sale, alimentent des trafics de diamants et d'armes, financent des groupes extrémistes de droite, appuient certaines opérations financières des services secrets et enfin soutiennent des dictatures. Mais enfin, c'est une lettre anonyme. Va en bas de la page et lis le dernier paragraphe. D'autre part, le Yor, dans les diverses lettres que Marcinkus a accepté de remettre à Calvi, déclare être le propriétaire légal de cette société offshore dans laquelle les actions majoritaires investies proviennent de l'Ambrosiano. Espérons qu'aucun double de cette lettre n'ait été envoyé aux cardinaux. J'aimerais voir la tête de Casaroli. Allons, ne me parle pas des cardinaux. Comme si on ne savait pas que sans argent on ne fait plus rien, même pas la charité. Oui, c'est vrai. Ce n'est sûrement pas nous qui allons dicter les lois qui font augmenter l'argent. Mais vois-tu, ce n'est pas pour ça qu'il faille toutes les appliquer. Certes. Alors, raconte-moi. Parle-moi de ces lettres de garantie à Calvi. Elles n'ont aucune valeur légale. Considère-les seulement comme un acte d'amitié vers Calvi. Tu veux prendre un thé avec moi? Oui. Et Calvi? Cet homme est un mystère. Paul, les cardinaux de l'Opus Dei m'ont réclamé ta dette. Je crois que ce serait une mesure extrêmement dangereuse. Les hommes de l'Opus Dei sont trop réactionnaires. Je ne veux pas dire que tes bonnes relations avec Reagan seraient en danger, mais ça risquerait d'endommager ta propre image. Oui, mais la mauvaise herbe doit être coupée. Lait ou citron? Citron. Entrez. Je vous en prie, Calvi, installez-vous. Ça, chers messieurs, ça ne s'envoie même pas à un domestique. Laissez tomber, Calvi. Nous n'avons plus le temps. Les prêts concédés par votre groupe à de sombres compagnies non identifiées dépasse 1400 millions de dollars. C'est un chiffre énorme, un risque invraisemblable, Calvi. Calvi, les secrets doivent cesser. Nous exigeons que vous convoquiez le plus vite possible votre conseil d'administration. Menini. Dites à Marcinkus que les responsables de la Banque d'Italie ont reconstruit le trou, pièce par pièce. Ils exigent la convocation du Conseil au plus vite. C'est la fin, vous comprenez? Calvi, vous ne voulez pas comprendre que je suis inquiet, moi aussi, hein? À la seule pensée que ne se répète ce qui est arrivé à Sindona. Si vous ne voulez pas que ça se répète, faites quelque chose. Vous êtes déjà allé en prison. Je suis sûr que vous ne voulez pas y retourner. Mais vous ne voulez pas comprendre que ce n'est plus de notre ressort. Maintenant, tout dépend seulement du pape. Domine, Domine, Jesu, Domine, Domine, Jesu, Domine, Domine, Jesu, Domine, Domine, Jesu.
Pachinkus. Hein? Pachinkus. Viens, sortons d'ici. Dépêchons-nous. Personne n'a intérêt à me laisser seul au bord du précipice. Mais c'est bien pour ça que je t'ai écrit ces lettres de garantie, hein? Par là. Par là. Nous n'allons pas dans ton... Non, nous allons ailleurs. Dans un endroit où nous pourrons parler sans être dérangés. Un moment. Ne fais pas cette tête-là. Ici, c'est seulement moi qui devrais avoir peur. De tes chantages. Hein? Chaque enveloppe contient une photocopie de l'accord entre notre institution et la Banque d'Italie. Comme vous le voyez, la question est toujours la même. La Banque d'Italie demande des informations de plus en plus détaillées sur notre participation et les dettes extérieures du groupe. Allô? Ah, c'est vous. Mais non, il va bien, il est sûr de lui. Ça peut vous sembler absurde, mais c'est comme ça. Comment ça se passe? Ces documents doivent être examinés avec la plus grande attention. C'est pourquoi je vous propose d'ajourner cette réunion. Je suis d'accord pour que cette réunion soit ajournée. Mais je propose que nos conseillers emportent avec eux les dossiers afin de les étudier avec soin. Les lettres ne doivent pas sortir d'ici. Au contraire, je demande que les membres du conseil soient autorisés à examiner ces documents où ils veulent. Je suis certain que... toute fuite d'informations provoquerait la fin de l'Ambrosiano. Mais nous ne pouvons pas rester jour et nuit enfermés dans cette pièce. Qu'est-ce que vous en pensez, Rosone? À vrai dire, je pense qu'il vaut mieux rester réservé. Non, ils ne doivent pas se sortir. Bien. Nous allons voter la proposition du vice-président. Ceux qui sont favorables à la sortie des documents lèvent la main. En ce qui me concerne, je m'abstiens. Moi aussi, je m'abstiens. Mais c'est une erreur que ces documents sortent de la banque. Je vous aurais prévenu. De toute cette histoire. Il faut qu'ils se bougent, tu comprends? Tu dois leur dire. De leur faire comprendre que s'ils ne se décident pas à accepter ma proposition, je vais tout balancer sur tout le monde. Mais je n'arrête pas de le faire. Excuse-moi d'insister, hein, mais si j'étais toi, je partirais le plus vite possible. Ben je ne peux pas, j'ai encore besoin de quelques jours. Fais comme tu veux, mais je ne voudrais pas que tous ces communistes du parquet lancent un mandat d'arrêt contre toi. Ou que quelqu'un vienne t'attendre devant ta porte. Ils sont rivés à leur pouvoir comme des chiens à leur os. Mais moi, je sais comment le détruire. Je vais les désintégrer. Mais ce sont des mots, tout ça. Il nous faut des faits. Des faits? Ah voilà. Ils sont là, les faits. Et il y a encore d'autres documents dans le coffre de Zurich, oui. Tu verras. Une bombe. Ils se rendront compte de ce dont est capable un citron pressé. Ah d'accord, s'il y a la guerre, ce sera de leur faute. Mais dès que tu seras parti, ils se rendront tous compte que tu ne rigoles plus. C'est pour ça que tu dois partir. Nous débloquerons plus vite la situation. Écoute-moi, bon sang! Dans un moment comme celui-ci, reconnaître que c'est moi qui suis derrière ce financement, c'est un grand sacrifice. Oui, d'accord. Papa, mais tu as avancé la date de ton départ. Pourquoi tu ne m'en as pas parlé? Je n'ai pas le choix. Je dois me mettre au travail immédiatement si je veux mener mon projet à terme. Alors ça continue. C'est vrai que l'Opus Dei assume la dette? Mais il y a des gens qui, pour m'en empêcher, seraient prêts à n'importe quoi. C'est pour ça que je dois me cacher, tu sais. Et si ce projet devait échouer, alors je viderai mon sac. Attends-moi, je reviens tout de suite. Thank you.
Toi aussi, tu dois partir. Ici, tu es en danger. Papa, mais pourquoi la mafia est contre toi? La mafia a un pouvoir qui peut détruire tous ceux qui ont des secrets à révéler. Anna, va préparer ta valise. Puis tu partiras chez Vittorio. Et ce soir, vous irez à l'UNO, hein? Allez. J'ai peur que quelqu'un m'ait suivi. Voilà le paquet. Carboni veut que tu l'appelles tout de suite après. Voici le passeport. Carboni vous fait dire de ne pas emporter la mallette, il vaut mieux que je la prenne. Pourquoi? Il y a des risques? Non, non, mais on n'est jamais trop prudent. À la frontière yougoslave ou autrichienne, si un douanier décidait de vous la faire ouvrir, il pourrait vous identifier. Ah oui, bien sûr. Le passeport nicaraguain. Carboni pense toujours à tout. C'est d'accord. Faites attention. Elle contient des documents d'une très grande importance. Soyez tranquille. Je passe toujours par Klagenfurt. Je suis comme chez moi. Il ne me demande même plus mes papiers. Au revoir. Allez, vite, vite! Roberto Calvini. Ben, se sont pas cassés la tête. Merci. Madame Klenzig. Madame Klenzig. Je suis Roberto Calvi. Bienvenue. Saint-Père, des gens de toutes sortes voudraient savoir si j'ai fourni des armes et de l'argent à certains régimes d'Amérique du Sud. Si j'ai donné des moyens financiers à Solidarność, et puis encore des armes et d'autres financements à certaines organisations des pays de l'Est. Mais je me refuse au chantage, et je n'y céderai pas. Allô? Allô? Je t'ai réveillé, excuse-moi. J'ai voyagé toute la nuit, je suis mort de fatigue. Papa, où es-tu? Comment vas-tu? Ne m'appelle pas papa. Je suis en Autriche, chez des amis. Demain ou plus tard, je serai en Suisse, à Zurich. Je dois récupérer de l'argent et des documents. Écoute, Anna, appelle maman. Et Carlo aussi. Mais ne leur dis pas où je suis, tu comprends? Parce que maman ne sait pas mentir, et s'il l'interroge, elle dira tout.
Mais Pacienza l'a appelé de Londres hier. Il a demandé comment tu étais parti, vu que c'est lui qui a ton passeport. Et il a dit, tu verras le scandale quand ils se rendront compte qu'il a disparu. Toi, rassure-la. Dis-lui que je ne suis pas parti, mais que je dois me dissimuler pour travailler sur mon projet. Je te rappelle demain, ma chérie. Essaie d'avoir des nouvelles d'Italie. Et souviens-toi, sois prudente. Les avocats de Roberto Calvi ont informé les juges de la disparition du président de la banque Ambrosiano, dont ils n'ont plus aucune nouvelle depuis la nuit du 10 juin. Rappelons que le 21 juin prochain, Calvi devrait comparaître devant la cour d'appel de Milan sous l'inculpation d'exportation frauduleuse de capitaux. Ils sont là. Bonjour. Bonjour. Je suis passé sans problème, tu sais. Tiens. Merci. Président, vous êtes de plus en plus jeune. Manuela, vous êtes trop aimable. Comment va mon bébé ? Papa ! Bonsoir, mon amour. Regarde ce que j'ai. Hein ? Comment ça s'est passé ? Comme sur des roulettes. Je reviens tout de suite. Flavio, tout est photocopié. Nous en parlerons plus tard. Quelle guerre absurde ! Ils ne disent même pas pourquoi ils la font. Qu'en pensez-vous, monsieur Calvi ? Ils ne peuvent quand même pas dire qu'ils font ça pour le pétrole. Flavio, ça c'est un petit cadeau pour toi. Non. Non, c'est trop précieux. Je ne peux pas, vraiment. Je t'en prie, j'y tiens. Montre. C'est le plus beau cadeau qu'on m'ait jamais fait. Fait alors, on part ou pas? Je savais bien que tu étais fou. Bien. On ne part plus pour Zurich. Je suis désolé, ce n'est pas de ma faute. Après Stalingrad, avec la faim, le froid, la neige, c'était un enfer. Je les ai obligés à descendre de cheval, en les forçant à coups de pied au cul, à marcher pour qu'ils ne meurent pas tous de froid. Victor, vous ne le croirez pas, mais j'ai ramené tous mes soldats chez eux, sains et saufs. C'est ici. Kunzela. Finalement. Comment ça va, Kunz? Ça va. Alors Flavio, quand partons-nous pour Zurich? Et en fait, il y a un changement. T'inquiète pas, je vais tout t'expliquer. We'll be right back.
Tenez. Merci. Laquelle vous préférez, président? Mais où m'avez-vous amené? Effectivement, ce n'est pas un endroit pour un président de banque européenne. En réalité, les deux sont sordides. Flavio ne cesse de m'étonner. C'est Kunz qui s'en est occupé. Vous pensez que dans ce trou, je peux rencontrer des gens? Mais Carboni sait toujours ce qu'il fait. Il y a bien une raison. Ben, c'est une question de sécurité, vous avez vu? Nous n'avons croisé personne, même pas le concierge. Je vais sortir faire des courses. N'oubliez pas, n'ouvrez la porte sous aucun prétexte. Il faudra bien que je vous ouvre, non? Ok, décidons d'un code. Deux coups brefs à la suite et un troisième après. C'est compris? Ouais. À bientôt, mon ami. À bientôt. Victor, n'oublie pas, pour Calvi, nous sommes à Stockholm, d'accord? Mais qu'est-ce que tu dis? Comment ça, à Stockholm? Nous sommes à Amsterdam et tu ne sais pas dans quel hôtel on est. D'accord. Tu as compris? D'accord. Allez, vas-y, saute dans un taxi. Taxi! Taxi! Victor! Dis à Roberto que je fais tout mon possible pour lui trouver quelque chose de mieux, hein? Tu as compris? Je m'en occupe. Au revoir. Et fais bien attention. C'est quelque chose. Oui. Dans peu de temps, tout sera comme avant. Tu verras. Oui, c'est une chose extraordinaire, merveilleuse. Quand tu le sauras, tu n'en croiras pas tes oreilles. Je ne peux pas t'en dire plus. Je te rappellerai. Rappelle-moi surtout. Rappelle-moi. Victor, c'est moi. Carboni a appelé? Oui, il devrait arriver sous peu. J'écoute? J'écoute? Oui, j'écoute! Ah, c'est la troisième fois que ça sonne, mais personne ne répond jamais. C'est sûrement parce que ce n'est pas à toi qu'on veut parler. Moi, je sais très bien que c'est Calvi, et je sais bien aussi avec qui il veut parler. Rosone, nous allons faire de grandes choses, vous et moi. Nous savons bien que les absents ont toujours tort. Alors, décidez-vous une fois pour toutes. Les absents? Comment ça, les absents? Ben oui, Calvi. Mais comment pouvez-vous savoir qu'il ne reviendra plus? J'ai seulement dit absent. Il n'y a plus rien à dire. Avec ça, cher Monseigneur, nous en avons terminé. Vous déclarez ici que le Yor est le bailleur de fonds des Panaméens et vous déclarez avoir parfaitement connaissance de leurs dettes à l'égard de nos consortiums de Lima, Managua et Nassau. 1100 millions de dollars, plus les 200 millions que votre banque doit directement à la nôtre. Ou on boucle le trou, ou c'est la banqueroute. Alors, les lettres de Calvi? Oui, oui. Voici où nous en sommes. Voici mes lettres de garantie. Et celle-ci, c'est la lettre de Calvi. Et cette dernière annule les miennes complètement. Elles ne valent rien. Vous pouvez toujours les encadrer pour les mettre au mur. Comment? C'est impossible.
Mais celles-ci sont signées par le pape. Elles proviennent du Vatican, pas d'un illustre inconnu. Mais ici, Calvi déclare que vous pouvez le vérifier vous-même. Quoi qu'il arrive, le Yor ne devrait en subir ni perte ni dommage. En somme, nous ne mettrons pas un centime. C'est ce que vous en déduisez. Alors que vous écrivez là que vous êtes garant de la dette, vous faites signer en secret une lettre à Calvi, dans laquelle il résulte que vous n'êtes plus garant de rien. Mais alors, vous êtes seulement une bande de délinquants. Partons d'ici. Je lui ai dit ce que tu m'as dit. Écoutez, président, ils ont arrêté Pelicani. Il est devenu tout blanc. Et quand j'ai ajouté, les présidents, ils l'ont torturé pour lui faire avouer vous vous cachiez, eh bien, il s'est senti mal, tu sais. Il m'a presque fait de la peine. Oui, d'accord. On se voit plus tard. Salut. Écoute-moi bien. Alors que tout semblait devoir se résoudre, tout se précipite. Tu dois quitter Zurich aujourd'hui même. Va retrouver maman et Carlo, tu comprends? Il n'y a pas de temps à perdre. Papa, il faut que je réfléchisse. Je n'ai pas du tout envie de partir pour Washington à l'improviste. Mais essaie de comprendre que tu es en danger. Ils ont arrêté Pelicani. Ils l'ont tabassé, torturé. Il parlera. Il finira bien par révéler où je me trouve. Hein? Je dois te laisser. Cours acheter ton billet. Hein? Oui, je te rappelle dans 2 heures. Excusez-moi, monsieur. Je vous apporte la serviette que le jeune monsieur a demandée. Je te dis qu'il n'y a plus de place, même en liste d'attente. C'est un miracle qu'il m'en ait trouvé une sur le vol de demain. Une place? Vittorio doit partir à... Je ne comprends pas que lui aussi est en danger. Mais Vittorio ne peut pas partir. Il n'a pas de passeport. Laisse-moi lui parler. Écoute, Vittorio. D'une heure à l'autre, tout peut arriver. Oui, un énorme scandale. Toi non plus, tu ne peux pas rester là-bas. C'est un ordre. D'accord, je vais rentrer en Italie. Par pitié, va où tu veux, mais pas en Italie. S'il te trouve, tu finiras comme Pelicani. Ils sont en train de le torturer. Oui, d'accord. Parfait. Écoute, la femme de Kuntz va vous contacter. Voilà, elle vous donnera de l'argent. Prenez-le et c'est tout. Aujourd'hui, on ne peut plus faire confiance à personne. Moi, je vous rappellerai demain matin, à 8 h, avant le départ d'Anna. Après, je ne pourrai plus vous téléphoner. D'accord? Faites bien attention. Et le pire dans tout ça, c'est que Rosone savait tout. Et il a toujours menti, lors de chaque réunion du Conseil. Ah, Rosone, nous vous assurons... Asseyez-vous. Messieurs, voici une proposition de solution que je soumets à votre vote. Roberto Calvi se trouvant dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, dont son droit de représentation légale, le Conseil a décidé, dans l'intérêt de la banque et de Calvi lui-même, peut-être contraint à des actes non souhaités, de le révoquer de tous ses pouvoirs et de le suspendre dans ses fonctions de président. Ceux qui sont d'accord avec cette motion, lèvent la main. Bien, motion adoptée. Je voudrais préciser que si je m'abstiens, ce n'est pas en faveur de Calvi, mais pour m'opposer à ses forces politiques qui veulent jeter l'Ambrosiano dans les bras d'un commissaire envoyé par la Banque d'Italie. Toi, tu ne veux pas d'un commissaire parce que tu voudrais bien prendre la place de Calvi. Parle-nous plutôt des forces politiques qui t'ont placé ici,
pendant que Calvi était en prison. Combien de temps vais-je encore devoir attendre cette foutue ligne? Excuse me. It just freed up now. I was just about to pass it to you. 450 units in less than 2 days. The Italians talk too much. And they are so rude. That one almost slammed the door to my face. Non, 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 non. Ici, maintenant, c'est la débandade. Et cette pauvre Madame Crocker, elle n'a pas résisté. Se jeter du quatrième étage. Mais qu'est-ce que tu dis, Madame Crocker? Comme ça, elle ne parlera plus. Mais est-ce que quelqu'un l'a vu se jeter par la fenêtre? Non. En fait, personne ne l'a vu. Allons-y, Président. C'est encore loin? Si ça roule bien, on y sera dans une demi-heure. À l'aéroport? Non, emmenez-moi à l'hôtel Sheraton, s'il vous plaît. Mais qu'est-ce qu'il fait? C'était bien la peine de se presser. Du calme, du calme. Il arrive, ne vous inquiétez pas, tout va bien. Allô? Ah oui, oui, je comprends. Ok, ok. Nous devons y aller. Et vous voulez lui parler? Allô? Oui, mais que se passe-t-il? Je comprends, d'accord. Ça a encore changé. D'accord. Allons-y, dépêchons-nous, il faut faire vite. Allons-y. Mais où est la voiture? Ah, il faut laisser la voiture, on va monter là-dedans. Comment ça? Mais où m'emmenez-vous et pourquoi dans ce bateau? Ça va plus vite et c'est plus sûr. Lâchez-moi, lâchez-moi! Je vous en prie, je donne tout ce que vous voulez! Vite, maintenant! Allez, il faut lui couper les moustaches.
Good morning. My name is Vittoni. Hello, Mr. Vittoni. Hello. Do you have any luggage? Check in. Yes. Okay. Seigneur, nous savons que Roberto Calvi devra affronter ton jugement. Il ne voulait faire de mal à personne. Il souhaitait exercer ses fonctions et nous venir en aide. Seigneur, nous confions aujourd'hui à ton infinie miséricorde l'âme tourmentée de Roberto Calvi. Un homme en qui nous avions placé notre confiance, un homme dont le travail exemplaire ne pouvait laisser présager une telle fin. Blessed art you, my Lord, God of all creation. Through your goodness, we have this bread to offer, which the earth has given and which human hands have made. It will be for us the bread of life. Benedicto in saeculis, Signore. Blessed are you, my Lord, God of all creation. Through your goodness, we have this wine to offer, grape of the vine and work of human hands. It will become our spiritual drink. Benedicto nei secoli, Signore.